Et bienvenue sur la chaîne de S.C, où je vous propose des vidéos et des informations autour des émotions, des relations et notamment de l'éducation pour ce qui est de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des émotions et des explications. Il me semble que aujourd'hui, dans notre société en tout cas, nous comptons beaucoup trop sur la raison, sur les explications pour faire changer le comportement et notamment celui des enfants. Beaucoup de parents viennent me voir et me disent « on ne comprend pas, on lui a pourtant expliqué, on lui a dit, on lui a montré et rien n'y fait, il continue à avoir le comportement qui pose problème ». Il arrive aussi que les parents me disent je lui explique une fois, deux fois, trois fois et je n'en peux plus et je m'énerve et après ça monte dans les tours entre nous. Mais ça, c'est tout à fait logique, c'est-à-dire que si vous donnez des explications et qu'elles ne fonctionnent pas, vous êtes dans le principe de la carte de fidélité, vous encaissez, vous encaissez, vous encaissez et vous finissez immanquablement par vous énerver. Le problème n'est peut-être pas dans l'énervement, mais dans l'explication et je vais vous expliquer justement pourquoi. Il est important de comprendre comment fonctionnent les émotions. Pour ça, je vous invite à aller jeter un œil sur le blog, sur l'article qui parle du ballon émotionnel. Je vous mettrai le lien ici en bas. Et cette image du ballon émotionnel, elle est très parlante. Quand les émotions montent en nous et nous envahissent, notre part intellectuelle, rationnelle, est réduite à la portion congrue. Quand nous sommes sous le coup d'une émotion, nous avons tendance à agir de façon irrationnelle et nous avons du mal à entendre les arguments, les questions, les explications qui sont de l'ordre rationnel, raisonnable. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas redevenir raisonnables, que nous ne pouvons pas entendre ces explications, mais en tout cas, nous ne pouvons pas les entendre sur le moment. La preuve que les explications, la raison, ne sont pas suffisantes pour faire changer un comportement, c'est que si vous prenez les fumeurs, par exemple, je pense que tous les fumeurs du monde, ou presque, ont très bien compris, intellectuellement parlant, que fumer, c'était mauvais à la santé, que ça coûtait de l'argent, etc., etc. Cependant, ça n'est pas une raison suffisante pour eux pour changer de comportement. Eh bien, avec les enfants, c'est exactement la même chose. Les explications peuvent ne pas être suffisantes si l'émotion qui envahit l'enfant au moment où se déclenche son comportement est trop importante. Il aura beau savoir qu'il ne faut pas le faire, il aura beau être capable de verbaliser la règle quand il est à froid, il aura probablement du mal à s'empêcher de faire quelque chose tant qu'il ne saura pas gérer son émotion. Donc la première règle, c'est vraiment ça, c'est d'abord aider l'enfant à gérer son émotion et ensuite donner des explications et chercher les choses rationnelles. Ça signifie aussi que les explications ne peuvent pas, ne seront pas utiles ou efficaces en tout cas, si on les donne à chaud, c'est-à-dire quand l'enfant est sous le coup d'une émotion. Si vous donnez des explications à un enfant qui est énervé, qui est excité, qui a peur, qui est en colère, qui est triste, il y a des chances qu'il ne vous entende pas. Et alors, vous allez vous épuiser à lui expliquer, lui expliquer, lui expliquer. Vous allez obtenir une réponse irrationnelle qui va vous énerver et donc ça va forcément mal finir. Je vous donne donc deux pistes pour résumer cette vidéo. La première, c'est pas d'explication quand l'enfant est sous le coup d'une émotion. On gère d'abord l'émotion et ensuite on donne les explications quand tout le monde est revenu à froid. Et la deuxième piste, c'est d'abord détecter, comprendre et accompagner l'enfant autour de la problématique émotionnelle avant d'agir sur son comportement, parce qu'il y a des chances que si on agit sur l'émotion, le comportement change de lui-même. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des commentaires ci-dessous, si vous en avez envie, et aussi éventuellement à vous abonner à la newsletter, je mettrai là aussi les liens dans la description de la vidéo, pour pouvoir recevoir des informations complémentaires sur les sujets de l'éducation, de la relation aux autres et de la gestion des émotions. À bientôt !